Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho कट जाए तंबूरा सुन ले साधु भाई तंबूरा सुन ले साधु भाई तेरा किया कर्म छूट जाए तेरी लाख चौरासी कट जाए ने सिमरा ने सिमरा सारद मा प्रथम सतगुरु देव ने सिमरा सारद मा आ दर्शन दीजो माने परसण हो जो मारे दर्शन दीजो मारे सो परसण हो जो मारे हृदय ही मत आवे पूरा सुन ले साधु
Eh bien. Le nombre de décès dus au virus continue à augmenter. Les États-Unis, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, ça augmente partout assez vite. En Inde, ça tient toujours bon, ça vient juste de passer 200. Mais il faut surveiller la semaine ou les 10 jours à venir. Les gens estiment qu'il pourrait y avoir de très soudaines hausses si le confinement n'est pas appliqué de façon rigide. Je crois qu'en tenant compte de ces conseils de la communauté médicale, le gouvernement est déterminé à appliquer le confinement de façon bien plus sévère pour faire en sorte que la hausse ne soit pas brutale. Mais malheureusement, au cours des dernières 24 heures, le premier médecin victime du virus en Inde est mort. C'est le premier personnel médical, malheureusement. Beaucoup d'entre eux sont infectés, mais c'est le premier à y succomber. La charge qui pèse sur la communauté médicale et les forces de police peut être considérablement réduite si chaque citoyen se comporte de façon responsable et se confine de lui-même. C'est très important. Et j'aimerais aussi remercier à nouveau nos volontaires chinois. Probablement d'ici demain soir, nous allons recevoir 10 000 masques N95 dont les personnels médicaux ont besoin et environ 1 000 combinaisons de protection qui sont aussi très importantes pour ceux qui s'exposent consciemment au virus et plus de 2 000 lunettes protectrices et plus de 5 000 chaussures protectrices, paires de chaussures et plus de 100 boîtes de gants jetables et 20 lampes de désinfection UV qui permettent aux masques et aux gants d'être réutilisés. Nous sommes très reconnaissants à nos volontaires chinois. Donc, à un moment comme celui-ci, où l'on écoute divers commentaires, si vous ne le savez pas encore, vous le savez probablement, WhatsApp a limité le nombre de transferts à un seul. Ils les avaient limités à 5, maintenant c'est devenu 1. C'est parce que il y a des gens qui sont juste malveillants et malicieux. Ils veulent profiter de cette occasion pour propager des récits négatifs. J'espère et je crois que ce ne sont que très peu de gens. Mais les grands groupes de gens, du fait de la peur, ils exagèrent. La peur, je l'ai toujours constaté, est une chose qui exagère tout dans le mental humain. Il fut un temps à Mysore, ou n'importe où, si dans une maison ou dans une entreprise ou autre, si un serpent arrive, ils vont m'appeler parce que je recherchais ce genre d'occasion. Donc, ils disent, un gros serpent, il a gonflé sa coiffe, il est gros comme ça. Vous y allez, vous cherchez partout et vous trouvez un serpent gros comme ça. Et c'est un serpent rat, ce n'est pas un cobra. Il n'a certainement pas de coiffe. Mais ils ont vraiment vu une coiffe grosse comme ça. Ils ne sont pas en train de l'inventer. La peur fait cela au mental humain. Quand les gens ont peur, tout devient comme ça. Donc, il est très important que l'on apprenne à aborder
les situations dangereuses, les défis de façon équilibrée. Autrement, cette exagération va nous tuer, si ce n'est pas le virus. Ceci est arrivé en Arizona. Un touriste se rend en Arizona et regarde aux alentours, tout est extrêmement sec. Alors il demande à un local, « Avez-vous déjà vu de la pluie ici, à cet endroit ? Tous les combien est-ce qu'il pleut ? Tout est tellement sec. » Alors le local prend un ton un peu dramatique, « La pluie ? La pluie ?» Eh bien, il y a des grenouilles de 10 ans dans notre ville qui doivent encore apprendre à nager. Donc, l'exagération est la nature du mental quand il a peur ou quand il se sent menacé. Le sentiment d'insécurité et la peur sont deux choses qui vont vous faire tout exagérer. Donc, ils ont dû limiter WhatsApp, vous ne pouvez pas transférer plus d'une fois, ou alors vous allez devoir vous asseoir pour le faire, pour chaque personne à qui vous voulez l'envoyer. Vous allez devoir appuyer sur le bouton. C'est une petite dissuasion pour que votre peur ne se répande pas, parce que la peur et la panique, eh bien, se répandent bien plus vite que le virus. Nous devons les contenir, c'est très important. Cette question est de Karan. Namaskaram Sadhguru. Vous avez dit que Patanjali a écrit « Et maintenant yoga » au début des Yoga Sutras, mais vous avez aussi mentionné que Krishna a dit « Yoga Staha Kuru Karmani », c'est-à-dire d'abord établissez-vous en yoga et ensuite agissez. Yoga Staha Kuru Karmani. Je ne sais pas si je devrais suivre Patanjali et d'abord profiter du monde matériel, puis démarrer le yoga, ou suivre Krishna et d'abord démarrer le yoga, puis ensuite m'impliquer dans le monde. Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît ? On dirait que beaucoup de gens sont contents parce qu'ils pensent qu'ils ont trouvé une faille dans la sadhana du matin. Il n'y a pas de faille. Eh bien, d'après les érudits et les historiens, Patanjali a vécu entre 1500 et 1000 avant Jésus-Christ, environ. C'est-à-dire qu'il remonte à environ 3000 à 3500 ans. Krishna remonte à 6000 ans. Donc vous devez écouter Krishna d'abord. Yoga Staha Kuru Karmani. Et ensuite, vous devez pratiquer Patanjali. L'importance de ces phrases, c'est que la nature de la vie et de l'intelligence humaine et la capacité à saisir des choses, la capacité à se souvenir, la capacité à imaginer sont telles que vous avez été doté d'une mémoire très vive et d'une imagination fantastique dont aucune créature ne dispose. Leur mémoire et leur imagination ne sont liées qu'à leur processus de survie. Au-delà de ça, elles sont très minimales. Mais cette créature-ci a été dotée de cela, parce que ceci est censé évoluer sans concrètement passer par toutes les situations réelles. Ceci est censé évoluer en regardant et en faisant l'expérience des expériences d'autres personnes. Rien qu'à partir de cela, ceci doit évoluer. Parce que si vous n'aviez pas ces facultés de mémoire et d'imagination, si vous deviez tout traverser vous-même,
toutes les possibilités de la vie. Et maintenant, yoga, croyez-moi, vous n'atteindrez pas maintenant yoga en 1 million d'années. C'est juste que, en regardant la vie de quelqu'un d'autre, l'expérience de vie de quelqu'un d'autre, la douleur de quelqu'un d'autre, la souffrance de quelqu'un d'autre, vous devez apprendre. Vous n'avez pas à passer par toutes ces choses. Si vous pensez, je vais passer par tout ça, et ensuite je vais dire, et maintenant yoga, vous êtes censé vous asseoir ici, en 10 minutes, vous pouvez passer par tout ce qui peut arriver dans la vie de qui que ce soit. C'est le niveau de capacité mentale qui vous ont été donnés. Vous avez entendu parler de Gautama le Bouddha. Il est juste allé faire une promenade du soir, il a vu une personne âgée, une personne malade et un mort. Et il a pris sa décision de partir. Quiconque pose cette question, je ne sais pas si vous vivez avec 2 ou 4 t-shirts, pour abandonner son royaume, une jeune épouse, un enfant, tous les plaisirs du palais, et partir à pied, c'est tout ce qu'il a fallu, une balade du soir. Juste une personne malade, une personne âgée, un mort, c'est tout ce qu'il a fallu. C'est tout ce qu'il faut pour un être humain intelligent. Tout le monde a cette intelligence, mais ils utilisent leur intelligence pour arriver à ce genre de... Ils veulent trouver une faille. Comment puis-je échouer dans ma vie? Leur concentration est absolue. Comment puis-je réussir dans ma vie? Non, non, leur attention est ailleurs. Comment puis-je dévier et échouer dans ma vie? Eh bien, si je ne recherche pas la libération, si je ne démarre pas un processus spirituel, suis-je un échec? Oui, en tant que vie, vous en êtes un. Vous pouvez être une réussite sociale. Mais voyez, le virus va réduire l'intérêt de votre réussite sociale, de vos accumulations financières. Supposez que vous soyez infecté. Soudain, tout cela ne signifie rien. Peut-être que vous allez aller dans le meilleur hôpital pour mourir. C'est tout. C'est votre seul privilège de pouvoir peut-être aller dans un meilleur hôpital qu'un pauvre. Je n'ai rien contre votre richesse ou votre bien-être. Tout ce que je dis, c'est que la priorité fondamentale dans la vie doit être la vie elle-même. Pas les accumulations, pas les comédies sociales et les comédies psychologiques que vous jouez. Donc, quand vous utilisez votre intelligence pour trouver une faille, oh, vous allez en trouver une, parce qu'après tout, c'est votre mental. Après tout, c'est votre mental. Vous ne trouvez pas une faille dans l'existence, vous n'en trouverez pas. Vous allez trouver une faille dans vos propres pensées et dans vos propres schémas psychologiques. Ça, c'est facile, c'est plein de trous. C'est plein de trous. Il n'y a aucun problème pour tomber. Si vous voulez grimper, voyez, ceci est un baobab merveilleux. J'ai vu cet arbre en Australie, mais j'ai pensé qu'il n'allait peut-être pas pousser ici. Mais ensuite, je suis allé à Rameshwaram, il y a un immense baobab sur lequel environ 10-15 personnes peuvent s'asseoir et prendre un repas. Beaucoup de pique-niques. Ceux qui font des pique-niques s'assoient sur l'arbre, sur le tronc de l'arbre, et les branches partent comme ça. Et 10-15 personnes peuvent s'asseoir et manger et pique-niquer. Quand j'ai vu ça, il faut qu'on en plante un. Les gens ont dit, Sadhguru, ceci, cela. Mais on en a planté un ici et... Voyez, il a merveilleusement bien grandi. Mais le problème de cet arbre, c'est que si vous voulez grimper dessus, il ne vous donne pas suffisamment de prise pour vous tenir. Donc maintenant, si vous voulez grimper à cet arbre, vous allez devoir le faire avec énormément d'attention et de conscience pendant que vous grimpez. Il fut un temps où si je voyais un arbre, la branche la plus haute, je devais m'y asseoir. Je n'y vais plus, mais c'était comme ça.
Mais si vous voulez grimper ceci, vous verrez que ça demande énormément de conscience et énormément de... La force physique est une chose, mais la force physique à elle seule ne vous permettra pas de grimper. Ça va nécessiter un certain niveau d'observation et d'attention pour grimper. Mais si vous voulez juste tomber, c'est tellement simple. Vraiment. Parce que la gravité est avec vous. La gravité travaille toujours pour vous, pour vous amener au sol. Donc, c'est toujours comme ça. Si vous voulez évoluer vers un espace plus élevé, il y a tout un tas de défis. Mais si vous voulez sombrer, ça c'est simple. Eh bien, ça va diminuer la qualité de votre vie. Mais vous trouverez toujours de la compagnie à ce niveau-là aussi. Et vous allez penser que tout est normal. Voyez, où que vous vous installiez, peu importe à quel niveau de la vie vous vous installez, vous allez toujours trouver une certaine compagnie et vous pensez que c'est normal. Eh bien, allez dans le Tamil Nadu, même pendant le confinement, le Tasmak est encore ouvert, le magasin d'alcool est encore ouvert. Comme c'est géré par le gouvernement, par mesure de sécurité, il reste ouvert. Une fois que vous buvez ça, de toute façon, tout le monde va maintenir une distance sociale vis-à-vis de vous. Donc, ceux qui se rassemblent là pour boire, si vous les voyez, vous verrez si vous roulez sur cette route, il y a des gens qui sont allongés dans la rue, inconscients, à 6h, 6h30 du soir. Vous vous dites qu'il est tombé, mais il pense qu'il est high. Oui, c'est tout le truc avec la vie. Il est tombé dans la rue, vous pensez, oh, il est tombé. Mais il pense qu'il est high, et il est en compagnie de gens qui pensent tous que c'est high. Petit à petit, ils deviennent plus nombreux que vous. Vous avez intérêt à faire attention. Parce que ça, ça va devenir high, et ça, ça va devenir low. Parce que c'est un processus démocratique. Quand les nombres augmentent, c'est ça qui va devenir le vrai truc. Leur nombre est déjà en train de rapidement dépasser tout le monde. Être une personne normale veut dire que vous devez boire et fumer. Autrement, quel genre d'être humain êtes-vous? Mais maintenant, le virus vous dit, si tu fumes, on va t'avoir. Donc, vous savez, ce sont des choses qui me sont arrivées. Un de mes amis tombe sur moi, 25, 30 ans plus tard, et à l'école, on était juste potes. Je ne l'avais jamais revu, il était devenu expert comptable, je crois. Je suis juste en train de monter dans ma voiture à Mysore, et lui aussi a garé sa voiture à côté de la mienne. Il y rentre comme ça, avec une cigarette pendue aux lèvres. Et il est devenu comme ça. Je l'appelle par son nom et dis, « Hey !» Il me regarde comme ça. Au départ, il ne me reconnaît pas, et puis je l'appelle par son, vous savez, un surnom qu'on lui donnait à l'école. Donc je l'appelle, « Hey, Goof !» Et là, il me reconnaît. « Oh, oh, ils m'ont dit que tu es devenu un gourou, oh, oh !» Et puis, sa cigarette, comme ça, « Tu ne fumes pas !» Il sort son paquet de cigarettes, « Tu ne fumes pas ?» J'ai dit, « Non, tu ne bois pas ?» J'ai dit, « Je bois de l'eau. » Dans sa tête, il m'était arrivé quelque chose d'anormal, de complètement anormal, parce que je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai renoncé à la vie. Tu as renoncé à tout. Quoi ? Fumer, boire, les absurdités que vous faites. Donc, vous devez comprendre que où que vous tombiez, à cet endroit-là, vous allez avoir votre propre genre de compagnie, et vous allez penser que vous êtes normal. Donc, pour faire atteindre son plus haut potentiel à cette vie, à tous les niveaux, cela demande des efforts. Donc, si vous pensez, si vous avez mal compris Patanjali, et que vous pensez, je vais tout essayer, et sur mon lit de mort, je vais essayer le yoga, bon courage. Parce que quand il y a... Déjà, chez beaucoup d'entre vous, la raideur de la mort s'installe.
Enfant, vous étiez si souple, lentement, ça devient comme ça. Vous ne pouvez même pas vous asseoir au sol. Voyez, je ne peux pas marcher sans bâton. Ça veut dire que vous êtes handicapé, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'asseoir sans chaise, est aussi un handicap. Mais c'est vu comme un handicap normal. Donc si vous voulez être un handicapé socialement accepté, c'est votre choix. Je parle du standard de la vie elle-même, pas des standards sociaux. Cette vie, comment veut-elle être? Est-ce qu'elle veut que la fumée lui sorte des oreilles? Allô? Est-ce qu'elle veut fumer? Cette vie ne veut pas fumer. Cette vie veut-elle vivre ou être assommée? Cette vie veut vivre. Comme vous ne savez pas comment, vous gérez. Vous trouvez ce genre d'échappatoire. Donc, dois-je essayer toutes ces choses et ensuite faire du yoga? Quand vous aurez terminé de faire toutes ces choses, vous pourriez être absolument incapable de faire le moindre yoga. Donc, ce n'est pas ce que dit Patanjali. Il dit, utilisez votre cervelle. Utilisez les facultés dont la nature vous a doté pour tout essayer. Tout essayer ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous démarrez en allant faire la queue au magasin d'alcool. Là aussi, distanciation sociale, ils ont mis des cercles. Et ensuite, vous passez 6 mois à boire, ensuite des problèmes de foie pendant 2 ans, ensuite une petite greffe, mais maintenant vous devez essayer de fumer. Et ainsi de suite, vous allez essayer une chose après l'autre, une chose après l'autre, et ensuite, un jour, vous allez faire du yoga. Et maintenant, yoga. Non, non, vous devez vous asseoir ici comme Gautama le Bouddha, il n'a pas vieilli. Il n'est pas tombé malade, il n'est pas mort non plus. Il a juste vu une personne âgée, une personne malade et un mort. Et c'est tout. C'est ce que Patanjali vous dit. Yogastha Kuru Karmani. Je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, mais établissez-vous en yoga et ensuite agissez. Cela veut dire que sans connaître un certain sentiment d'union avec ce qui vous entoure, si vous agissez, vous ne pouvez qu'être destructif, ça ne peut tout simplement pas se passer autrement. S'il y a un certain sentiment d'union, vous allez marcher avec douceur sur cette planète. Si vous pensez que vous êtes une vie à vous seul, sans l'aide de quoi que ce soit autour de vous, alors vous allez marcher comme un parfait idiot. C'est ce qui arrive à l'humanité en ce moment. Maintenant, ils sont un peu conscients à cause du virus. De façon négative, ils sont conscients. Si vous êtes établi en yoga, yoga veut dire union. Vous avez un certain sentiment d'union avec tout ce qui vous entoure. Maintenant, lorsque vous agissez, vos actions seront de nature inclusive. Si les actions humaines ne sont pas de nature inclusive, alors le mieux est qu'ils soient incompétents. Parce que le problème est la compétence. J'en reviens toujours à cet exemple. Les gens me disent, Sadhguru, Sadhguru, ne parlez pas de lui, s'il vous plaît, il est très dangereux pour vous. Mais je pense qu'il est mort, il n'est pas dangereux pour moi. Certains ont continué à le faire vivre, c'est un autre sujet. Adolf Hitler. Voyez, c'est un homme qui a d'immenses facultés. Le seul problème, c'est pas inclusif, exclusif. Voyez les horreurs qu'il a fait. On a besoin de ce genre de faculté, mais en étant inclusif. Si chaque être humain avait les facultés qu'il avait, en termes d'organisation et d'inspiration et autres, et qu'ils étaient inclusifs, quel monde fantastique on pourrait créer. Donc lorsque vous n'êtes pas inclusif, lorsque vous n'êtes pas yogastaha, alors on vous souhaite l'incompétence. Parce que la compétence devient dangereuse. La compétence humaine est devenue dangereuse parce qu'elle est exclusive. Si les êtres humains sont inclusifs, alors tout niveau de compétence va œuvrer à notre bien-être. À l'heure actuelle, notre propre compétence œuvre contre notre bien-être. Donc... La prochaine question est de Jennifer.
Cher Sadhguru, avec le confinement, les casse-têtes, les livres de coloriage et le tricot ont du succès. Est-ce que de telles activités qui nécessitent une attention soutenue sur une chose et qui sont de nature répétitive peuvent conduire à un état méditatif que les gens recherchent inconsciemment ? Ceci est arrivé. Shankaran Pillai allait de porte en porte. En ce moment même, il fait du porte-à-porte. Vous savez, il utilise son esprit d'initiative pendant le confinement en vendant des espèces de jouets mécaniques pour enfants que les enfants peuvent assembler, qui demandent un certain niveau de concentration et d'intelligence. Donc, il arrive chez quelqu'un, une jeune mère cherche à trouver quelque chose pour occuper son enfant. Et Shankaran Pillai lui montre ça, et ce que c'est, comment ça marche. Donc, elle a beau essayer dans tous les sens, elle n'arrive pas à l'assembler. Et elle dit, n'est-ce pas un peu trop compliqué pour un enfant ? Alors il dit, non, non, c'est un jouet qui va apprendre à l'enfant comment la vie fonctionne. Vous pouvez essayer dans tous les sens, ce n'est jamais le bon. C'est aussi ce qu'a dit Patanjali. Vous pouvez essayer dans tous les sens, ce n'est jamais le bon, la seule façon, c'est de faire un avec tout. Donc, si je fais un casse-tête ou des mots croisés, ceci, cela, pour être occupé, eh bien, si vous lisez un livre, ou faites un casse-tête ou autre, oui, cela requiert une certaine concentration. En général, si vous restez concentré, disons que vous commencez à être intéressé ou impliqué en lisant un livre et que vous restez concentré, absolument concentré sur le livre, à tel point que lentement, votre environnement disparaît parce que le livre est devenu intéressant. Ça s'appelle dharana en yoga. Cela veut dire que vous êtes concentré, vous et le livre. C'est tout ce qui existe. Le reste du monde a disparu. En ce sens, ça a une certaine utilité, à coup sûr. Mais vous utilisez le casse-tête ou autre plus comme une distraction que comme un moyen de vous concentrer. La raison pour laquelle vous faites cela, c'est que rester simplement assis ici seul va vous rendre fou, à moins que vous ne fassiez quelque chose, que ce soit sur le téléphone, ou avec ceci, ou avec cela, vous devez faire quelque chose, autrement vous allez devenir fou. C'est ce que je dis, c'est qu'au moins, il est temps de savoir que... Oh, les magasins Tasmak sont fermés dans le Tamil Nadu, c'est ça? Dernière nouvelle, tous les magasins Tasmak du Tamil Nadu sont fermés. Merci beaucoup. Mais le premier jour, je crois qu'ils étaient ouverts avec distanciation sociale parce que... avant le confinement. Ok, ok, autant pour moi. Ils sont fermés, je suis désolé pour vous. Vous l'utilisez comme une distraction. Vous utilisez votre concentration comme un moyen de vous distraire. Ce que je dis, c'est que pendant cette période du confinement, au moins, évaluez à quel point vous êtes fou. Obtenez au moins un diagnostic. Vous n'avez pas besoin d'aller chez un médecin, parce que la psychiatrie aussi est en confinement. De vous-même. Vous vous asseyez pendant une heure, avec les yeux fermés, voyez tout ce qui se passe dans votre mental. Au bout d'une heure, ce dont vous arrivez à vous rappeler, écrivez-le, parce que, en grande partie, pour la plupart des êtres humains, il n'y a aucune continuité. Ça a lieu de façon très aléatoire. Écrivez-le. Si vous faites confiance à quelqu'un chez vous, vous leur dites que, pas vous, votre ami vous a écrit cette lettre. Ne vous exposez pas, parce que les gens vont en profiter.
S'ils lisent ça, ils vont dire, c'est l'œuvre d'un fou, à coup sûr. Vous pouvez recueillir l'avis de 2-3 personnes. Vous-même, vous le saurez. Donc il est bon de découvrir à quel point vous êtes fou. Oui, c'est très important. La toute première chose, si vous voulez aller quelque part, c'est de savoir où suis-je en ce moment. Même Google le demande. Où êtes-vous? Si vous lui demandez votre route pour aller à tel endroit, même Google Maps vous demande « Où êtes-vous ? » Parce que sans savoir où vous êtes, on ne peut vous guider nulle part, n'est-ce pas ? Donc, à quel point vous êtes fou, je pense qu'il est bon de le découvrir. En particulier à un moment comme celui-ci. Tout un tas de gens se brossent des tableaux de fin du monde dans leur tête. Donc, en particulier ces gens-là et tous les autres, vous devez prendre une photo de votre mental. Elle ne va pas être imprimée dans ces scanners et autres. Vous devez la regarder vous-même. Donc, quand vous êtes dans un tel état de folie, où allez-vous aller comme ça? Et où que vous alliez, qu'est-ce que ça va changer? Les mêmes choses vont vous poursuivre, les mêmes problèmes vont continuer. Physiquement, on peut changer d'air, mais ça ne va pas changer la qualité de la vie. Donc, il y a déjà tout un tas de questions de ce genre qui sont posées. Est-ce la fin du monde? À quoi ça va ressembler après le virus? Est-ce que tout va changer? Nos vies vont changer? Le monde va changer? Il ne sera plus jamais le même. Le monde n'est de toute façon plus jamais le même. Tel qu'il est aujourd'hui, il ne sera plus pareil 10 jours plus tard. Après le virus, que va-t-il se passer? Ceci est arrivé à un groupe de physiciens nucléaires, un club de physiciens nucléaires. Ils étaient réunis. L'un d'eux, qui est particulièrement pessimiste, dit, au rythme où vont les choses, d'ici 10 ans, il va y avoir une explosion d'ampleur cosmique qui va mettre fin à tout. Un autre scientifique dit, je suis prêt à parier là-dessus qu'une telle chose n'aura pas lieu. À 1 contre 100, je parie là-dessus. Alors l'autre scientifique lui demande, comment en es-tu si sûr? Il dit, tu vois, ce n'est pas que je suis sûr de quoi que ce soit, c'est juste que si je gagne, je vais empocher mon argent. Si tu gagnes, il n'y aura personne pour empocher quoi que ce soit. Donc, les casse-têtes, les parties d'échecs, tout ça c'est bien un certain temps, mais ce ne sont que des distractions, ce n'est pas une solution. Je vous le dis, faites usage de cette période pour améliorer la vie que vous êtes. Comment m'y prendre? Il y a bien des façons de le faire, il y a des tas d'outils. Là, tout de suite, ce n'est pas le moment d'en proposer un. La première chose est simplement celle-ci. Asseyez-vous simplement tout seul tous les jours, 1 ou 2 heures, avec les yeux fermés, peu importe. Peu importe ce que dit le mental. Peu importe si votre corps a du mal. Restez simplement assis. La vie va changer, croyez-moi. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarve Shambho, Shambho, Mahā.